libérer les choses sur la... Alors, bon, c'est ça. Avec Raymond, je faisais des entrevues bidons parce que je n'étais pas à Paris. Puis, lui, il ne savait pas. Personne ne savait. Donc, l'errance, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Ben, l'école, il n'y a pas une grande école à part les gens qui ont pas été, qui ont peut-être eu des problèmes à la maison, à l'extérieur de la maison, ou même à l'école, et qui reprennent quelques cours parce qu'ils sont sérieux et ils veulent... avoir un très bon travail, donc des études supérieures, plus affinité, plus avec qui, je ne sais pas, mais c'est affinité, là, c'est... Il me reste un pays oui. À chanter. Oui. Oui, il lui reste un pays à chanter à ce monsieur, mais c'est tant mieux, hein. Parce que lorsqu'il ne restera plus de pays à chanter, qu'allons-nous faire? Nous allons fredonner. Alors, et donc, nous pourrons également... L'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et là, ça fait trois semaines et demie, trois semaines, un an, deux ans. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait d'errance? Je suis rouillé, moi, là. J'ai la vertèbre sourcilière de la troisième de droite, là. Ah, c'est... S'il y a des masseuses thérapeuses qui pourraient me rendre tout ça normal, là. Quoi, non? Qu'est-ce que la normalité? C'est ce que la majorité des gens font, je sais pas. Nous pourrons également apprécier du côté mélodique qui n'a rien à faire pour moi. Mélodieux, le chanteur cher à l'errance rénadienne, le grand Jojo! Le grand Jojo qui viendra nous chanter sans doute une chanson populaire! Un pays à chanter! Oh le grand Jojo! Ni 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 prendre sa... une reprise que l'on connaît très bien de Patrick Zabé. Ensuite, Arnaud, les Wampas. Et j'ai rencontré Didier, Wampas. Personnage. Pas, Didier, c'est un personnage. Et vous l'entendrez à l'automne de l'errance rénadienne, l'automne-hiver, je ne sais plus, là, j'ai plus... Mais je sais que le premier, je laisse la place à un autre Didier. Didier Ouah! Oui, monsieur. L'homme qui connaît la chanson. L'homme qui connaît la note. Et comme je vais le paraphraser d'une manière qui ne me pardonnera jamais, j'en suis sûr, je sens arriver les briques. Les briques et les... la brique et le fanal! Oui, oui, le fanal. Ah, oh, Saint-Tabarouette, j'ai même pas compté ça. Ah, oh, c'est déjà en temps. C'est celui qui laisse la chance aux chansons de s'exprimer. Et un être extrêmement intéressant pendant un mois et... Peut-être cinq semaines ou un mois, je ne sais plus. Faudrait que je regarde ma note. Et j'ai pas ma note devant moi. Oui, ça coûte 29 euros. Hein? C'est pas ma note, ça? Ah oh non, c'est Didier, pas ça, Didier, lui. Non, non, moi, c'est. Voyons, non, j'ai pris un verre d'eau, pas de glace. Ah, ben, c'est la note, hein, c'est la glace qui coûte cher. Non, j'ai demandé pas de glace. Non, non, mais la glace, le verre. C'est le verre qui coûte cher à Paris. C'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est, qu'il y a les, c'est ce qui tient le tout, c'est ce qui tient le liquide. Ben là, voyons, non. Hé, hey, j'ai emprunté vos toilettes, ça m'a coûté un euro. Ben oui, mais c'est Madame Pipi, Madame Pipi, Madame Pipi. Pipi, hurra, et pipi, hurra, et pipi, hurra, oui! Reste un pays à chanter! Pipi pour un, non, madame Pipi, ça fonctionnera pas avec moi! Alors, on peut-tu, comme on dit chez nous au Québec, birdie? Un birdie, c'est un birdie! Mini pot, connais pas ça le pot? Non, non, c'est pas le pot, c'est pas le pot, on le connaît pas le pot, on veut pas avoir pas de dictature ici. La dictature, ça fait dur. Pas le pot aussi. Mais non, le mini-pot, là, c'est comme le golf, là, mais pour les amateurs de le petit trajet. Mini-pot. Vous connaissez pas ça? Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Et puis, Madame Pipi, ben, pas, non, moi, jamais je pisserai pour un euro, madame. Jamais, jamais, jamais. Avez-vous des lavabos? Des lavabos? Bon, c'est pour me laver les mains, mais j'ai une petite trompe également qui va si... Et ouais, elle aussi, non. C'est pas un pénis, c'est non. Au Québec, on appelle ça une petite paille émotive. C'est une petite paille émotive qui, mais ça coûte rien, hein, moi, pour laver les mains. Bon, fait que la petite paille émotive non plus. Hé, hey, mon cher monsieur, je sens que vous me prenez pour une connasse.
Madame Pipi, jamais j'oserai pour vous prendre pour une canasse, Madame Pipi. Et Pipi, hurra, et Pipi, hurra, et Pipi, reste un pays enchanté. Oui, il y a aussi Jean Corti. Et pour nous envelopper dans une atmosphère unique, unissons-nous autour... qu'est-ce qu'il a écrit, lui? Et pour nous envelopper dans un temps de la... Un œuf. Unique, unissons-nous, retrouvons-nous. On veut pas s'unir, on veut pas se retrouver, nous autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous nous retrouverons devant deux icônes de la chanson francophone, Alain Bachung et Arnaud. Dans le film, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Maintenant, robons-nous et laissons la musique nous enchanter. Ah, ça c'est bien, parce qu'on va faire... Ce soir, nous ferons venir le soleil. Approchez-vous de votre radio, s'il vous plaît. Madame Thibodeau, Mme Marco, approchez-vous de votre radio. Julie, Simone, Claude, Didier, Juliette, Cécile, ah ouais, vas-y.